Le procureur de la République, Richard Adou, hausse le ton. Ses services vont désormais réprimer plus sévèrement les dérives sur Internet et les réseaux sociaux. C'est ce qu'il a annoncé ce mercredi lors d'une rencontre avec la presse. Les administrateurs et modérateurs sont désormais menacés de poursuites. Cet avertissement intervient après la diffusion des images de la profanation du corps de Didier Arafat après son exhumation. Une mesure annoncée à un an de la présidentielle dans le pays. Le procureur de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire, ne peuvent rester impunies. Depuis un moment, des internautes s'adonnent à de graves dérapages sur les réseaux sociaux et ce à travers des vidéos et posts. Pour les populations ivoiriennes, cette décision du procureur de la République arrive à point nommé. Chacun est quelque part libre de s'exprimer, mais de quand même savoir dire les choses et bien dire les choses. Voilà, parce que si chacun devrait être amené à dire ce qu'il veut, comme il veut et où il veut, ça pourrait quelque part aussi susciter quelques guéguerres entre nous. Adou Richard a par ailleurs annoncé que plus de 10 personnes ont été interpellées, puis déférées pour atteinte à la dignité humaine à la suite de la profanation du corps de la star de la musique coupée-décalée. Elles écopent chacune de 24 mois de prison et d'une amende de 2 millions de francs CFA.